Un chant de victoire.
accueillons la vraie joie de l'Évangile. Alléluia, alléluia, sonnez et chantez pour notre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Proclamons notre foi, annonçons d'une voix forte que Dieu est parmi nous et qu'il vient sauver tout homme. Alléluia, alléluia, sonnez et chantez pour notre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Voici le pain du ciel, devenu le pain des hommes, Jésus le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Très chers frères et sœurs, je vous soumette à vous tous et à vos toutes, aussi au nom de mes confrères évêques, la bienvenue, parce que c'est une grande joie qui nous réunit ici. Bienvenue, bien sûr, à vous, Cyril, et Thaddée et Dever, et ainsi qu'à votre famille, qui est même venue de Costa Rica, de Siloam, Benvenida, pour la famille. Et tout particulièrement, bienvenue à mon confrère, Luc Terlinden, vous le savez bien, le pape François l'a désigné, l'a nommé pour la succession sur le siège de Malines, Bruxelles, chez nous. C'est avec grande joie que je l'accueille aujourd'hui parmi nous. Dans quelques instants, et je vous le dis à vous qui serez ordonnés, dans quelques instants, je vous demanderai, est-ce que vous promettez respect et obédience à moi et à mes successeurs, et donc aussi à lui qui, dans quelques semaines, devient votre évêque. Frères et sœurs, soyons dans la joie et dans l'action de grâce aujourd'hui. C'est une grande joie pour l'Église de pouvoir accueillir des nouveaux pasteurs, comme ces trois jeunes qui me rendent si heureux. Préparons-nous maintenant à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons la bonté et la miséricorde de notre Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié de nous.
Christ, toi qui es venu appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sièges à la droite de Dieu le Père, où Dieu intercède pour nous, ô Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Seigneur. Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu as recours au ministère sacerdotal. Accorde à ces diacres de ton Église que tu as bien voulu choisir aujourd'hui pour leur confier la charge de prêtre, de persévérer dans l'attachement à ta volonté, afin que par leur ministère et leur vie, ils puissent travailler à ta gloire dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire.
nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. En fait, vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée entre tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant,
Depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu.
que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. Dave. Me voici. Cyril. Me voici. Et Thaddée. Me voici. Monsieur le cardinal, la Sainte Église Notre Mère vous présente nos frères Dave, Cyril et Thaddée et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Monsieur le cardinal, l'abbé Benoît Menten, recteur du séminaire Redemptoris Mater, va maintenant vous présenter en quelques mots Dave. Madame Brigitte de Mailleux, formatrice de notre séminaire diocésain, vous présentera Cyril. Et l'abbé Benoît Hauser, formateur au séminaire diocésain, va vous présenter Thaddée. Monseigneur, Dave David González Arce est né le 23 décembre 1991 au Costa Rica. Membre du chemin néocatéchuménal depuis son adolescence, où il redécouvre par étapes toute la richesse de son baptême, il a choisi d'entrer dans un séminaire missionnaire Redemptoris Mater et il a été envoyé dans notre diocèse en 2011. Après avoir appris le français au cours de son année propédeutique, il a étudié la philosophie puis la théologie à Namur. Différents temps de mission à l'étranger, ainsi que ses stages en paroisse à Wavre et plus récemment à Jette, l'ont confirmé dans sa vocation de pasteur, proche des personnes qu'il est appelé à servir humblement et avec sa spontanéité pour leur apporter la joie du Christ ressuscité. Le peuple de Dieu a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste que Daver a été jugé digne d'être ordonné. Monsieur le cardinal, Cyril de Nazel a 35 ans. De nationalité franco-belge, est le deuxième d'une famille de 4 enfants vivant à Bruxelles. Il est membre de la communauté de l'Emmanuel. Après un master en sciences commerciales et une courte expérience professionnelle, il entre en propédeutique à la maison Saint-Joseph de la communauté de l'Emmanuel et poursuit ensuite ses années de séminaire à Namur. Entre les cycles de philosophie et de théologie, il est envoyé pour 2 ans en mission avec Fidesco dans une paroisse d'un quartier pauvre de Salvador de Bahia au Brésil où il vit une grande expérience humaine et ouverture au monde. Au cours de ses études de théologie, il réalise un premier stage dans l'unité pastorale d'Anderlecht avant de rejoindre en septembre 2021 l'unité pastorale Sainte-Croix d'Ixelles, où vous-même, monsieur le cardinal, vous l'avez ordonné diacre en vue du presbytérat le 8 janvier dernier. Il a suivi également la formation interreligieuse Emouna. Cyril est humble. Il s'est ouvert à la grâce du Seigneur dans les difficultés qu'il a rencontrées. Dans la fidélité à son appel, il s'est unifié et a développé davantage encore son sens de la fraternité. Il est à l'écoute et aime entrer en relation profonde avec chacun, de quelque origine culturelle, sociale ou communautaire qu'il soit, et aime s'en enrichir. Son grand sens du service fera de lui, à la suite du Christ, un bon pasteur qui prend soin de ses brebis. Merci. Thaddée Zazie Ayaviambo
est né à Kinshasa, quatrième d'une famille de 7 enfants. Attiré depuis son plus jeune âge par la vie consacrée et marqué par son frère José, il s'engagea dans la vie consacrée. Durant ce temps, au Congo, il obtint un master en philosophie, un graduat en théologie et en agro-vétérinaire. Invité en Belgique par son frère José en 2016, il y acquit un master en sciences de la population et du développement. Souhaitant servir Dieu et son Église, Thaddée entama sa formation en vue d'être prêtre au service du diocèse de Malines-Bruxelles. Après sa propédeutique, il fit un master en théologie. Il a complété sa formation par plusieurs stages pastoraux qui lui ont permis de s'intégrer dans la vie sociale et ecclésiale locale. Citons ses stages aux paroisses Saint-Étienne à Brenaleux, à Saint-Médard de Jodogne et enfin aux Sources Vives à Ixelles. S'il n'entre pas avec bonheur dans des structures, des cadres et organisations qu'il sent comme contraignants, Thaddée se révèle surtout fraternel, disciple de Saint-Charles Foucault, à l'exemple de son frère José. Actif dans les services les plus humbles, attentif aux personnes dont il retient les prénoms, jovial, aimant l'échange, cherchant comment bien faire, comment avoir une attitude adaptée et juste, grâce à des consignes claires et des demandes précises. Mais surtout, Thaddée témoigne de sa foi et la transmet de façon simple et belle. Ceci dit, peut-être comme Charles de Foucault, Thaddée a son caractère. Il peut exprimer ce qui lui pèse ou ce qu'il vit comme jugement. Ne supportant guère le conflit ouvert, sa sensibilité le rend vulnérable aux remarques et aux critiques qui l'attristent et le découragent. Sans cesse, il cherche à retrouver en lui et autour de lui l'esprit de paix. Ayant connu le formalisme spirituel, Thaddée souhaite s'en détacher pour privilégier la prière du cœur. Sa spiritualité l'a conduit au désir de prendre le temps et d'aborder les situations en s'y étant intérieurement préparé. Ayant pris le temps de consulter formateurs, ses accompagnateurs de stage et le peuple chrétien, et après avis de ceux-ci et de ceux à qui il appartient d'en juger, j'atteste que Thaddée a été jugé digne d'être ordonné prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles. Oui, monsieur le cardinal. Monsieur le cardinal, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Dever, Cyril et Thaddée ont été jugés dignes d'être ordonnés. Un grand merci pour ce témoignage et ce beau parcours qui prépare vraiment au sacerdoce. Je rends grâce à Dieu et avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, nous choisissons Dever, Cyril et Thaddée pour l'ordre des prêtres.
Chers frères et sœurs, ne craignez pas, nous dit le Seigneur aujourd'hui dans l'évangile de ce dimanche. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. N'ayez pas peur, vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de problème? Dans le monde actuel et dans l'Église, il y a tant de personnes sur cette terre dans des situations sans issue. Même dans nos sociétés riches et développées, combien de personnes en marge, des pauvres, des immigrés qui ne trouvent pas de place chez nous, des personnes âgées tout seules, des malades, des familles en difficulté, combien de souffrances, combien de solitude. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il nous invite à prendre la vie du bon côté? Bien au contraire, je pense. Il faut bien se rendre compte pour bien comprendre les paroles du Seigneur aujourd'hui. Il prononce ces paroles, non pas en général, devant n'importe qui, mais dans une situation bien concrète. Et il s'adresse à ses disciples, aux 12. Il les a appelés et ils l'ont suivi. Et ils restent avec lui et l'écoutent. Ils sont touchés par son message, par son comportement. Et ils sont devenus ses disciples, ses amis. Et il leur parle de Dieu, son Père. Il le connaît, dit-il. Je connais mon Père. Il dit que Dieu est tout proche, qu'il vient, qu'il veut habiter parmi nous. Son règne, c'est le cœur de son message. Le règne de Dieu est tout proche. Et si l'on accueille, tout peut changer. On commence alors à penser comme lui, agir comme lui, doux et humble de cœur, pauvre en esprit, compatissant et miséricordieux, artisan de paix, assoiffé de justice. On commence à découvrir le bonheur d'une vie partagée avec Dieu, vécue dans la simplicité et dans la solidarité avec ceux qui sont dans le besoin. Non, Jésus ne leur parle pas à la légère, il parle explicitement des difficultés, même des persécutions. Ce ne sera pas facile, car ce qu'il propose, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais qui suscite aussi l'opposition. Il n'est pas évident d'accueillir Dieu dans sa vie et de se laisser faire par lui. Nous venons d'ailleurs dans la première lecture de l'entendre dans la bouche du prophète Jérémie lui-même. Aujourd'hui non plus, il est nullement évident de devenir disciple du Christ. Et c'est dans ce contexte, et pour répondre à cette question, que Jésus dit qu'il ne faut pas avoir peur. C'est cela qu'il veut dire. N'ayez pas peur de l'Évangile. N'ayez pas peur d'être mon disciple. N'ayez pas peur d'être chrétien aujourd'hui. Cher Dèvre, cher Cyril, cher Tadé, n'ayez pas peur. C'est cette parole du Seigneur que vous entendez aujourd'hui
le jour de votre ordination sacerdotale. Vous êtes tous issus d'une famille chrétienne. Et c'est là que vous avez entendu pour la première fois le nom du Seigneur. Mais vous avez bien sûr aussi parcouru, on vient de l'entendre, un propre cheminement jusqu'aujourd'hui. Vous êtes devenus des disciples du Christ. Et avec quelle douceur et quelle délicatesse on s'est rencontrés là-dessus. Avec quelle douceur et quelle délicatesse le Seigneur a fait grandir en votre cœur de devenir aussi comme les 12 des disciples missionnaires pour annoncer son évangile. Durant les années de formation, il vous semblait de plus en plus clair qu'il ne s'agit pas seulement de votre propre désir et de votre propre projet de vie, mais que c'est le Seigneur qui vous attire à lui, que c'est lui qui vous appelle. Vous lui avez déjà donné le oui lors de votre ordination diaconale. Et si vous dites aujourd'hui à nouveau oui au Seigneur, c'est toujours encore à cause de lui. J'y insiste, chers frères, uniquement pour lui, pas pour d'autres raisons, pas pour d'autres désirs, uniquement pour lui et pour son corps qu'est l'Église. Pour lui et pour aucune autre raison. Comme il a demandé à saint Pierre aussi, à la fin de l'évangile de Jean, « Est-ce que tu m'aimes ?» La seule question qui importe pour devenir le berger de ses brebis. Cher Thaddée, cher Cyril, cher Dever, nous ne connaissons pas l'avenir. Il y a tant d'incertitudes et de défis dans le monde d'aujourd'hui. L'Église, elle aussi, se trouve devant de grands défis et cherche sa place dans la société actuelle. À la demande du pape François, elle s'est engagée sur le chemin synodal dont on ne connaît pas l'issue. Mais voilà que le Seigneur vous dit aujourd'hui, à vous et à nous tous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur car le Christ est là. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comme le dit saint Paul, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Si vous devenez prêtre pour d'autres raisons que lui, je vous le dis, alors vous prendrez de grands risques aujourd'hui. Car les épreuves sont inévitables. Mais si vous restez attaché à lui, comme des serments à la vigne, il sera avec vous et son bâton te guidera. Non, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas seul non plus parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui vous portent. La preuve est ici qu'on est venus si nombreux aujourd'hui. Beaucoup de frères et de sœurs. On n'est jamais chrétien tout seul, mais on n'est jamais non plus prêtre tout seul. Il y a diversité des ministères et des charismes dans l'Église, mais nous partageons tous et toutes la même dignité que nous avons reçue lors de notre baptême. Nous sommes des chrétiens. Tout ministère dans l'Église est un service et non pas un état ou un statut privilégié. Si le pape François nous invite à devenir une Église plus fraternelle et synodale, c'est parce que c'est le seul remède contre toute forme de cléricalisme. Restez donc, chers frères, restez toujours proches du Seigneur. Cherchez-le toujours, chaque jour. Cherchez-le dans l'écoute de sa parole.
Cherchez dans la prière et la célébration de la liturgie, et particulièrement la Sainte Eucharistie. Cherchez-le aussi dans le peuple de Dieu, vos frères et sœurs, et dans tous ceux qui sont dans le besoin. Ne vous sentez jamais supérieur à eux. Oui, c'est vrai, par l'ordination, le Seigneur fait de vous des pasteurs. Mais vous ne cessez jamais d'appartenir vous aussi au troupeau de ces brebis. Nous n'avons qu'un seul maître et nous sommes tous frères et sœurs. Vous avez reçu gratuitement, vous avez reçu beaucoup, alors maintenant, c'est là votre mission, de donner gratuitement et de donner beaucoup. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons invoquer maintenant l'Esprit Saint par le chant du Veni Creator. Creatis
très cher frère. Avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous toujours la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Et voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus le Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Dever, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Cyril, à toi aussi je demande, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Et à toi aussi, Thaddée, je te demande, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Et voilà, chers frères et sœurs, nous allons maintenant prier ensemble avec tous les saints qui intercèdent pour nous. Confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres. Et demandons maintenant tous ensemble que le Seigneur répande sur eux les dons de l'Esprit Saint, qu'ils soient et deviennent de vrais pasteurs pour son Église. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tous les anges.
Jean-Baptiste. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Saint Jacques et Saint Jean. Priez pour nous. Saint André et Saint Thomas. Priez pour nous. Saint Jacques et Saint Philippe. Saint Barthélemy et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Simon et Saint Thaddée, priez pour nous. Saint Matthias et Saint Barnabé, priez pour nous. Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous. Saint Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Vous tous disciples du Seigneur, priez pour nous. Tous les saints innocents, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité, priez pour nous. Sainte Agnès et Sainte Cécile, priez pour nous. Vous tous, saints martyrs, priez pour nous. Saint Basile et Saint Athanase, Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Saint François Xavier, Charles de Foucault, priez pour nous. Saint François de Sales, priez pour nous. Saint Jean 23 et Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint Gudule et Saint Rombaud, Jean Berckmans, priez pour nous. Saint Damien de Molokai, priez pour nous. Saint Cyril et Méthode, priez pour nous. Saint Éric et Saint Isabelle, priez pour nous. Sainte Rose de Lima et Saint Antoine, priez pour nous.
Sainte Sibylle et Sainte Blandine. Priez pour nous. Sainte Geneviève et Saint Quisito. Priez pour nous. Saint Charles Wanga et les saints martyrs d'Ouganda. Marie Clémentine à Noirite. Priez pour nous. Bienheureux Isidore Baganja et bienheureux Jean Rosebrook. Priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Montre-toi favorable. De tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur. De la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur. Par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection. Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. De grâce, pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer ta miséricorde. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute notre prière, Seigneur notre Dieu, et répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Dever, Cyril et Thaddée, que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi, la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 personnes pleines de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps, qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission les apôtres consacrés dans la vérité et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit-Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui lui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors, toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
d'Ever, que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint, est rempli de sa puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Cyril, que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint, et rempli de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir chaque fois à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. D'Ever, reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Aie conscience de ce que tu feras. Imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites et conforme-toi toujours au mystère de la croix de notre Seigneur. Cyril, reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Aie conscience de ce que tu feras. Imite toujours dans ta vie ce que tu accompliras dans ces rites et conforme-toi au mystère de la croix de notre Seigneur. Reçois l'offrande du peuple chrétien, du peuple saint, pour la présenter à Dieu. Aie conscience de ce que tu feras. Imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites et conforme toi-même toujours au mystère de la croix de notre Seigneur.
Chers frères et sœurs, nous sommes réellement dans la joie, on l'entend. Mais nous allons maintenant confesser ensemble notre foi en Dieu Tout-Puissant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. La collecte qui va être faite pendant la présentation des dons est destinée à la formation des prêtres. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as voulu que tes prêtres soient au service de ton autel et de ton peuple. Dans ta bonté, fais que par la puissance de ce sacrifice, le ministère de tes serviteurs te soit toujours agréable et porte dans ton Église un fruit qui demeure toujours. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse. Et par les sacrements, ils fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec consistance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant et chantant. Sainte, 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 Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Sainte, 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 Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Michel, Sainte Gudule, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Joseph, ses auxiliaires Jean-Luc, Jean et Kuhn, et l'ensemble des évêques, tes serviteurs ordonnés aujourd'hui prêtres de l'Église, tous les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu assembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour notre cher abbé José, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est en communion avec le Christ et unis à lui, que nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de lui. Notre Père,
Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Du Christ. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ça va être le moment de la communion. Peut-être que parmi vous, certains n'ont pas l'habitude de venir célébrer, viennent par amitié.
La communion, vous le savez, est un acte de foi qui est réservé à ceux qui ont déjà fait leur première communion. Et si vous l'avez faite et que vous vous y êtes préparé pour la recevoir aujourd'hui, et si vous reconnaissez dans la foi que c'est Jésus-Christ lui-même qui est présent dans l'humilité de l'hostie, je vous inviterai à vous avancer pour communier. Merci d'ailleurs de communier tout de suite avant de repartir à votre place. Et sinon, vous pouvez aussi vous avancer en mettant les mains sur les épaules comme ceci, les bras croisés devant, pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Vous pouvez aussi simplement rester à votre place. En plus des points de communion qu'il y aura dans la nef centrale, il y aura des points de communion de chaque côté, dans les nefs latérales pour ceux qui s'y trouvent. Merci donc à ceux dans la nef centrale de venir par le milieu, repartir par le côté. Il y aura enfin deux points de communion dans les transepts.
Nous t'avons offert, Seigneur, le divin sacrifice et nous y avons pris part. Qu'il soit source de vie pour tes prêtres et pour tous tes serviteurs. Qu'un amour indéfectible les unisse à toi et leur mérite de servir dignement ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Nous arrivons bientôt au terme de cette célébration. Cyril, Daver et Thaddée, vous m'avez demandé d'adresser en votre nom quelques mots de remerciement afin de ne pas être trop long. Et vous-même, vous aurez l'occasion d'adresser chacun les vôtres ce soir plus personnellement. Avant tout, c'est au Seigneur que je m'adresse, car c'est par lui que tout a été fait. Tout vient de lui et nous en rendons grâce. Merci à vous, Monsieur le Cardinal, d'avoir accepté de présider cette célébration et d'accueillir les trois nouveaux ordonnés au sein du presbytérium de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin au bon déroulement de la célébration. Aux chefs de chœur, aux choristes, aux musiciens qui, venant des diverses communautés, se sont mis ensemble pour nous aider à prier et embellir la célébration. Aux techniciens pour leur service et la retransmission en direct, qui a permis à tous ceux qui n'ont pu se déplacer jusqu'ici de suivre la célébration. En particulier, nous pensons aux proches et familles qui nous suivent depuis le Congo, le Costa Rica et la France. J'adresse un merci aussi à toutes les personnes qui, tout au long de la formation, ont permis à Thaddée, Daver et Cyril de se préparer au mieux à leur mission de prêtre. Le Seigneur, premier accompagnateur, leurs accompagnateurs spirituels, les équipes de formateurs, les curés, les paroissiens et accompagnateurs de stage, ainsi que leurs familles et communautés respectives. Enfin, merci à vous tous ici présents pour votre présence priante. En notre nom à tous, j'ose maintenant, Daver, Cyril et Thaddée, vous adressez un merci chaleureux et tout particulier pour votre engagement et votre oui. À l'issue de la célébration, vous êtes tous cordialement invités au drink qui aura lieu ici un peu plus haut au Cercle Gaulois, situé 5 rue de la Loi, dans le Parc Royal en face du Parlement. Nous vous conseillons de vous y rendre à pied, le parking étant assez réduit, pour ceux évidemment qui le peuvent. Merci.
Voilà, chers amis, je ne vais pas répéter tout ce que Brigitte vient de dire pour vous remercier. Je vous remercie tous et toutes de tout cœur. Bien sûr, vous, Thaddée et Cyril et Dever, merci d'avoir dit oui au Seigneur. Je remercie aussi, bien sûr, vos parents, les familles et tous ceux aussi qui vous ont accompagnés dans la formation. Au séminaire, un tout grand merci pour les responsables du séminaire de Namur, pour le séminaire Redemptoris Mater du chemin catéchuménal et aussi pour la communauté de l'Emmanuel. Un tout, tout grand merci pour la formation. Et je n'oublie pas aussi les unités pastorales ici où vous avez reçu le stage. Vous savez bien que ce n'est pas seulement au séminaire qu'on apprend à devenir prêtre, mais que le contact direct dans le stage est si important. Donc un tout grand merci pour tous ceux qui ont collaboré dans l'accompagnement dans les paroisses et unités pastorales. En tout cas, je ne veux pas oublier la chorale, évidemment. Aujourd'hui, tout le monde, vous êtes vraiment, je vous remercie de tout cœur. Je vous ai dit aussi là tantôt dans l'homélie, si on devient prêtre, c'est uniquement pour le Christ, pas pour d'autres motifs. Et j'ai ajouté aussi pour le Christ et son corps qui est l'Église. Et donc, quand on est ordonné prêtre, on est envoyé. L'évêque vous donne une nomination, un endroit où vraiment tu peux exercer le ministère. Et voilà, j'ai la joie de vous annoncer, donc pour Dever, hein, Dever, tu resteras jette. Hein. Oui. Et pour Cyril, lui, il sera envoyé à l'unité pastorale Saint-Damien à Kuckelberg avec les... avec des confrères de la communauté d'Emmanuel. Hein. Et puis, Thaddée, toi aussi, hein, tu n'es pas seulement ordonné, mais envoyé et pour Ascarbeek. Hein, dans l'unité pastorale de Côte. Voilà. Non, attends. Ça va. Et encore une petite communication, chers frères et sœurs. La semaine prochaine, votre futur archevêque partira pour Rome parce qu'il recevra des mains du pape le pallium à la fête de Saint-Pierre et Paul le 29 juin. Le pallium est le signe de sa dignité et de sa mission archiépiscopale et surtout un signe de sa communion avec le pape François et le pape l'évêque de Rome. Je ne vous demande qu'une chose, de prier pour lui pendant les semaines qui viennent et de prier aussi pour nous, vos évêques. Merci. Et avant la bénédiction finale, nous allons confier les nouveaux ordonnés à la Vierge Marie.
chemin à notre lumière. Seigneur soit avec vous. Dieu a fondé son Église et il la dirige. Qu'il vous protège toujours par sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement la charge de prêtre. Amen. Amen. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, fidèles ministres de la réconciliation. Amen. Et qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons. Jésus-Christ est vraiment ressuscité.
Yeah.